Bonsoir, Anna Sandrea, l'organisatrice du sommet de la conscience et une des expertes. Je suis très émue car le sommet va bientôt se terminer. Il était le résultat de 6 mois de travail intensif, pas seulement pour Julio et moi, sino pour toute une équipe, un webmaster, des marketeurs, des graphistes. Nous ont aidé à relever tellement de défis pour y arriver. Vous avez eu l'opportunité d'entendre et de voir des conférences d'une excellente qualité. Et j'imagine que vous vous demandez que faire avec toutes ces informations. Notre motivation en créant ce sommet était de contribuer à l'évolution de la conscience et d'avoir un véritable impact positif sur les personnes qui ont assisté au sommet. Mais c'est dommage de s'arrêter là et c'est pourquoi nous avons souhaité vous offrir des moyens de garder cette dynamique dans votre quotidien. L'idée de la conférence de ce soir, c'est de vous donner des clés de changement et de transformation. Et pour cela, je suis accompagnée d'un expert de la transformation que vous avez pu découvrir durant le sommet. Il s'agit de Marc Florier. Il est un ami très très cher et je l'ai invité pour être ici avec nous ce soir. Bonsoir Marc, bienvenue. Bonsoir Anna. Marc, qu'est-ce qu'une personne a besoin pour changer et se transformer? Je vais être direct avec toi. On va aller directement au but. La chose la plus importante, si vous désirez vous transformer, c'est de prendre une décision consciente, une décision profonde. J'en ai déjà parlé durant ma conférence et je reviens sur ce point ici parce qu'il est essentiel. La transformation consciente passe par une décision consciente. D'accord. Nous avons fait, Marc et moi, une espèce de résumé des 5 clés qui nous avons besoin pour nous transformer en conscience. Donc, Marc vient de parler de la première, la décision. Et Marc, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai accompagné énormément de personnes dans ma vie. Et celles qui se sont finalement transformées, c'est celles qui, à un moment, ont dit oui. Et je me rappelle de 2 ou 3 cas de mes clients qui, malgré qu'ils faisaient des efforts pour changer, des efforts pour se transformer, antérieurement, ils n'avaient pas pris cette décision. Et le travail était difficile parce qu'ils mettaient beaucoup de volonté, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas lâché. Donc je suis complètement d'accord avec toi que le premier, c'est avoir un désir et une décision de changer. Pas seulement le désir, mais d'aller jusqu'à la décision. Si vous n'avez que le désir, vous allez essayer de vous transformer. Mais en fait, la transformation, c'est vraiment une histoire de décision. Avant de penser à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, j'ai consacré une 15aine de minutes dans ma conférence juste sur ce point. Parce que c'est le point clé qui est le plus souvent oublié. C'est une question de décision. Ouais. Tu as aussi eu des cas dans tes accompagnements des personnes qui se sont décidées que la transformation est arrivée, soit qui n'avaient pas décidé et que cette transformation était difficile pour eux. Oui, en fait, je vois tout de suite les personnes les plus difficiles à traiter, celles qui espèrent un miracle, qui attendent quelque chose, mais qui n'ont pas encore pris cette responsabilité, puisque la décision ramène à la responsabilité personnelle de prendre sa vie en main. Ça dépend que de moi, en fait. Ça dépend que de moi, ça dépend que de la décision, ne pas aller chercher plus loin ailleurs, parce que ça ne viendra pas d'autre chose qu'une décision claire et consciente. Et au contraire, toutes celles, tous ceux qui viennent vers moi pour que je les accompagne, dès que je sens que cette décision, en fait, c'est déjà fait, qu'ils le sachent ou pas, ils vont vivre ce processus de transformation intérieure. Et la décision, en fait, va amener au deuxième point qui va être la permission. En fait, pour moi, Marc, il y a un deuxième point avant la permission, c'est la détermination. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui, c'est vrai qu'avant la permission, c'est la qualité de cette décision, donc la détermination qu'il y a derrière. Mais j'appelle ça, moi, avoir un désir profond, puissant d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, à vous révéler, à vous accomplir? Parce que tu es d'accord, même si on le décide, même si on le décide parfois,
Et la vie, parce qu'elle est faite de cette façon, va nous envoyer des défis. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'accrocher à sa décision. Il est passé, c'est la détermination qui va nous aider à aller jusqu'au bout. Parce que si au premier, deuxième, troisième obstacle qu'on va trouver dans ce chemin d'évolution, parce que c'est un chemin, on peut vite se décourager. Oui. Et toute la puissance vient du niveau de détermination. Vous allez voir par rapport aux obstacles, aux résistances, aux expériences que vous allez rencontrer suite à votre décision, quel est votre niveau de détermination. Et quand vous touchez cette détermination absolue qui est « quoi qu'il arrive, je continue à évoluer en conscience, à rayonner, à être ce que je suis, à être dans l'amour, à me reconnecter à l'être », là, ça se fait obligatoirement. Je ne sais pas si ça t'est arrivé dans ta vie, mais moi, je me suis intéressée très rapidement à la spiritualité. À 13 ans, je lisais déjà des livres sur la métaphysique, ou sur les extraterrestres à l'époque, beaucoup moins maintenant. C'était mes premières lectures. Mais je suis sûre que toutes ces lectures-là ont eu un impact sur moi. Sauf que le vrai changement est venu quelques années bien bien après, quand je me suis dit oui, ok, j'ai envie de changer, et quand je me suis donné quand j'ai pris cette décision, et la détermination, la force du changement, ce que tu appelles d'ailleurs parfois la pulsion évolutive, s'est mise en marche en moi, et depuis je ne suis plus arrêtée. Mais il y a eu une dynamique voilà, qui s'est mise en place jusqu'à arriver à cette détermination. Mais je pense, Marc, que cette détermination peut être aussi le fruit d'une décision aussi. Oui, tout à fait. Il y a une espèce de mûrissement. Au départ, il s'agit d'un désir. Souvent, c'est un désir de sortir de la souffrance. Puis, c'est un désir d'évoluer. Ce désir, il grandit vers une grande détermination. Et là, à ce moment-là, peut-être, vous allez être prêt à prendre une décision. Mais vous allez toucher cette détermination essentielle quand la décision devient irrévocable. Et à chaque fois que vous l'oubliez, qu'il y a une épreuve dans la vie, que vous dites « finalement, ça ne vaut pas la peine », vous êtes capable de reprendre toujours la même décision, et là vous savez que plus rien peut vous arrêter. Et ça peut passer par de multiples décisions à reprendre plusieurs fois encore et encore. Et c'est en faisant grandir votre désir que votre détermination va devenir plus puissante et vos décisions vont devenir d'une manière absolue, radicale. Vous mettez en priorité l'être que vous êtes. Et tu parles de radical, mais maintenant il n'y a pas d'effort une fois qu'il y a cette détermination. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. C'est fluide, c'est, on est accompagné par la vie quelque oui. part. Mais c'est vraiment quelque chose qui évolue au départ, où c'est un chemin comme pour sortir de la souffrance, et au bout d'un moment, c'est juste la joie de l'être qui se révèle. Mais c'est pour ça que quand j'entends parler des fois de mes personnes dans le développement personnel, ok, j'ai assez travaillé sur moi, je m'interroge, mais puisque si vous sentez cet appel de la vie à l'intérieur, c'est sans fin l'évolution et sans fin, et cette détermination, mais c'est juste le courant de la vie qui est toujours dans une évolution qui est beaucoup plus grande. Les choses se font par plaisir et non plus pour échapper à de la souffrance. Mais cette phase de la souffrance, beaucoup passent par ça au début, je le reconnais. Oui, parce que moi, j'ai passé par là, de vouloir résoudre les problèmes que j'avais dans ma vie. Mais maintenant, j'imagine pas ma vie sans mon travail personnel, qui n'est plus un travail, que c'est tout simplement mon chemin, mais c'est ma vie. C'est un processus d'accomplissement, de révélation, c'est quelque chose qui est très goûteux, c'est la vie en fait, tout simplement. Hein. J'aimerais tellement partager plus avec vous de cette qualité d'expérience, de pouvoir goûter la vie tous les jours, où la vie, c'est pas une succession de problèmes à résoudre, c'est une suite plutôt de cadeaux à apprécier, à déballer, et que les circonstances qui se présentent, c'est l'occasion de révéler vos plus grandes qualités. Et tu sais, Marc, il y a justement une clé dans cette clé de la détermination, et par rapport à ce que tu dis, qui peut aussi aider les gens qui sont en train de nous écouter, c'est la curiosité.
vais justement être curieux à partir de cette décision et cette détermination que nous avons prise, quelle partie de nous va se révéler, quel cadeau la vie va nous envoyer, parce qu'une fois qu'on a dit oui à la vie, j'ai l'impression que ça devient vraiment sympathique. On peut s'attendre à plein belles surprises de la vie. Est-ce que tu peux c'est aussi ton expérience? Oui, mais pour moi le début, autant il m'a semblé fastidieux dans mon parcours où je ne sais pas comment j'allais avancer, au fur et à mesure je me rends compte que les choses deviennent de plus en plus fluides, et d'ailleurs ça c'est un indice que j'ai envie de donner à ceux qui écoutent cette conférence, c'est: est-ce que votre vie devient de plus en plus fluide, est-ce que ça devient de plus en plus aisé? Ça pour moi c'est un signe certain que vous suivez vraiment le courant évolutif qui part de l'être. Je suis complètement d'accord avec toi, sauf que il y a certaines personnes qui pensent que les défis, je n'aime pas parler des problèmes, les défis, parce que tu es dans cette mouvance, vont s'arrêter. En fait, les défis, c'est partie de la vie, en fait. Ils vont bien sûr, mais continuer, mais ils vont pas être vécus de la même façon. Ils vont plus être une source de frustration, de souffrance, de chagrin, ou bien de moins en moins et de moins en moins longtemps, et au contraire être une source de réalisation, d'accomplissement, de contribution, d'évolution. En fait, toute expérience est l'opportunité de révéler toujours plus l'être. Et ça, c'est un shift majeur, en fait. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, il n'y a même plus d'envie que ça s'arrête, parce que c'est toujours bon, quoi qu'il se passe. Ok, on se révèle à travers les défis. Mais je comprends bien que ça peut sembler énorme au départ, et que pour celles et ceux qui sont encore dans des situations difficiles, mais pour l'instant, ça peut sembler irréel. Donc l'idée, c'est d'y aller pas à pas, et c'est ce qu'on va vous partager durant la suite de la conférence pour que vous puissiez profiter de ce sommet. Ce qui compte, c'est pas seulement la perspective vers quoi ça va, mais juste le prochain pas. Okay. Donc nous arrivons à la troisième clé, la permission. Marc, tu l'avais déjà évoqué il y a quelques minutes. Elle est extrêmement intéressante parce que peut-être vous avez pris la décision de changer, vous avez la détermination de faire, de vous transformer, et la permission n'est pas encore là. Et c'est à ce moment que le travail sur les blessures, sur les mécanismes limitatifs qui nous empêchent, justement, parce que c'est la partie d'ombre, si vous voulez, qui vous empêche de vous donner cette permission. Parce que Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience sur la permission? La permission, c'est souvent le côté oublié. Mais moi, je l'ai constaté, en fait, au départ, justement par rapport à la décision. Je prenais des décisions et je voyais que j'appliquais pas mais ce que je décidais. Mais par exemple, j'avais décidé de faire du yoga le matin pour activer mon énergie de vie. Et puis, au bout de quelques jours, l'élan retombait. Je ne m'étais pas donné la permission de rencontrer le seuil où le yoga pouvait être inconfortable. Donc au moment où je prenais la décision, je la prenais dans l'enthousiasme, mais je voyais que l'aspect positif, enthousiasmant. Mais par contre, de devoir me lever tôt le matin et tous les côtés difficiles, je m'étais pas donné la possibilité de les rencontrer et de me dire, je prends la décision de faire le yoga. Et en même temps, je permets que ça ne soit pas toujours si facile que ça. Donc j'accepte aussi qu'à certains moments, je ne vais pas avoir envie de le faire. Est-ce que je prends vraiment ça en considération dans ma décision? Mais quand je prends une décision, il y a aussi des choses auxquelles je dois renoncer. Et dans les décisions les plus importantes, c'est si je décide de révéler l'être créateur que je suis, je vais devoir renoncer à me prendre pour une personne, à jouer des personnages. Et c'est ça la partie la plus difficile. Et est-ce que je me permets d'aller à la rencontre de mes résistances, de mes peurs, des personnages que je joue et que je ne suis pas? C'est toute la question de la permission. Et ça va réveiller des peurs. Est-ce que je me permets
d'aller à la rencontre de ses peurs, de ses ombres, de ses résistances. Ok. Marc, juste pour que les gens sachent concrètement comment expliquer la permission, parce que je pense que pour certaines personnes ça peut sonner un peu astrait. Donc, comment ça peut se formuler de manière concrète? Oui, mais moi je le mets vraiment en lien à une décision. Imaginez, vous voulez prendre une décision pour un projet que vous avez à cœur en vue vraiment de révéler votre potentiel. La question c'est qu'est-ce que je dois me permettre pour prendre cette décision? Mais par exemple, j'ai envie d'aller faire une tournée de conférences dans le monde entier. Eh bien, je dois me permettre de faire face à mes peurs, mais qui peuvent être d'aller dans un pays où je ne parle pas la langue. Je dois me permettre d'investir peut-être plus d'argent au départ pour pouvoir faire ce voyage. Donc, je dois me donner tout un ensemble de permissions. Et si ça, c'est pas vu, ça va créer des résistances en moi. Donc, faire la liste de toutes les résistances, de toutes les peurs et me permettre de vivre et de prendre cette décision même s'il y a tout cela. C'est ça la permission. En tout cas, c'est un des aspects de la permission qui peut être utilisé pour la décision et pour la détermination. Et quand votre détermination est totale, vous êtes prêt à vous donner toutes les permissions nécessaires. Et la permission, une des permissions les plus importantes, c'est par rapport aux blessures. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens gardent leurs blessures des années et des années? J'ai parlé dans ma conférence. Oui. Eh bien, si les gens ils gardent leurs blessures aussi longtemps, c'est parce que pour guérir la blessure, mais là tout le monde est d'accord, pour ne plus souffrir, pour se sentir mieux, eh ben, c'est de se donner la permission d'opérer la blessure, donc d'aller ouvrir la blessure pour aller la guérir. Et là, il y a déjà plus de difficultés, mais la guérison d'une blessure, il y a toute cette partie d'aller faire face à ce qui a été douloureux pour s'en libérer. Donc, et la permission c'est la contrepartie. Oui, de la douleur, d'accepter la peine, d'accepter qu'on avait voulu que ça soit différent aussi. Donc, oui. Il y a aussi l'accueil. C'est exactement ça. Et en fait, il y a une clé fondamentale pour la peur. Ce que j'accepte de faire face, mais justement, ce n'est plus de la peur. Donc, si j'accepte de faire face à mes peines, si j'accepte de faire face à mes peurs, je n'ai plus peur. Et les peines que je crains tant d'accueillir et de faire face vont d'un seul coup pouvoir se dissoudre. Donc, mais il y a une peur qui peut me dire en moi, non, ça va être terrible, je ne peux pas me donner la permission de ça, je ne peux pas me donner la permission de faire un discours en public, par exemple, si ce n'est pas parfait. Ben, dès que je me donne la permission que je fais ce discours, et même si ce n'est pas parfait, je le fais quand même, il y a quelque chose qui se détend en moi, et finalement, ce que je crains le plus n'arrive pas. Mais c'est quand même miraculeux. Une fois que vous serez donné quelques permissions, vous vous rendrez compte que ce que vous criez le plus n'arrive jamais. Et là, je vais vous raconter une petite histoire, parce que quand tu as parlé, je me suis rappelé d'un ami qui, je trouve qu'il est vraiment dans un chemin de transformation et d'évolution. C'est quelqu'un qui a décidé depuis des années qu'il ne veut pas vivre d'une autre façon que en cohérence avec la vie. Il est déterminé, il pratique énormément, mais il me dit que de temps en temps, ils sont comme deux parties en lui, une partie qui veut aller en avant et une partie qui ne veut pas, qui a peur, qui trouve que c'est difficile, que c'est mieux faire d'autres choses que ce qu'il fait. Et comme c'est quelqu'un qui est très volontaireux, il va en force, quelque part il va contre cette partie qui ne veut pas. Et je lui ai dit, écoute, et si tu donnais la permission à cette partie qui ne veut pas changer, qui est très bien dans la souffrance, qui est très bien dans la complaisance, qui est très bien même dans la victime, d'exister. Et ce qui était intéressant, c'est que quelques jours après, je l'ai vu, il m'a dit, Anna, tu ne sais pas comment ton conseil m'a détendu d'accepter que oui, une partie en moi qui veut une seule chose, c'est l'éveil, la réalisation et tout, mais qu'il y a une autre partie qui ne veut pas du tout ça.
Donc ça, c'est aussi la permission, c'est vous donner le droit à que, oui, vous voulez vous transformer, mais qu'en même temps, il y a une partie de vous qui ne veut pas. Mais cette partie, tant que vous ne l'accueillez pas, tant que vous ne lui donnez pas le droit d'exister, elle va vous faire comment ça s'appelle, va vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne menez pas à terme votre projet de réalisation. Donc la permission, je le répète, c'est aussi de vous donner le droit à des parties qui n'ont pas envie à vous d'échanger. Oui, et ça, ce que tu dis, c'est que ça arrive même avant. Mais c'est-à-dire qu'avant de pouvoir changer des parties, de pouvoir qu'elles se dissolvent, de pouvoir s'en libérer, il est nécessaire de leur donner la permission d'exister. Mais c'est même l'essentiel du travail de l'ombre. Ce sont des parties qui n'ont pas le droit d'exister. Et bien déjà, se donner le droit de les vivre, se donner le droit d'exister, se donner le droit d'être dans des états qui ne soient pas que positif. À partir du moment où vous donnez ce premier niveau de permission, vous allez vous donner le droit d'y faire face, vous allez donner le droit de les accueillir, vous allez donner le droit de les aimer, et du coup elles vont se transmuter. Et tout ça, c'est de la permission. Et dans tous les processus de thérapie et de transformation profonde, c'est essentiellement de la permission. C'est pas seulement l'énergie de la volonté, de la détermination, de la force, mais c'est une énergie d'accueil. Et pour pouvoir accueillir avec amour, c'est déjà, ben, je me donne la permission d'accueillir ce que pour l'instant j'ai pas pu accueillir, et j'accueille ce qui peut pas encore accueillir. Il y a toujours un niveau en quel il est possible d'accueillir toujours plus, d'aller encore plus profond dans cet accueil. Et c'est un mouvement féminin, si tu veux, c'est une énergie, c'est l'énergie de la compassion aussi envers moi-même, de la douceur aussi envers moi-même, que peut-être il y a des jours ou des moments que c'est plus difficile pour moi. Et je accueille aussi ce moment, cette faiblesse que parfois il est à moi. Et là, dès que vous avez ça, vous êtes en lien avec cette détermination absolue, parce que là, vous vous rendez compte que toutes les parties qui ont peur, mais qui ne veulent pas, qui ne sont pas dans des états très positifs ni très agréables, n'empêchent pas, à l'appel de l'être intérieur à évoluer, à s'éveiller, à se réaliser, d'avancer en fait. Ce ne sont pas des parties avec lesquelles vous allez faire compte, mais vous allez avancer avec. Vous allez avancer en entier, au lieu de vous battre à l'intérieur de vous-même avec des parties qui veulent avancer et une partie qui veut rester sur place, en fait. Ouais. Et Marc, là, tu parles presque de la quatrième clé, que c'est le passage à l'action. Nous avons pris la décision, nous avons la détermination de faire, ou parfois tout simplement la détermination. Nous nous avons donné la permission et maintenant, ben, il faut passer à l'action. Hein. Oui. Et ça peut être très tentant après un sommet comme ça où il y a une masse d'informations en plus données par des experts. Donc, et experts, c'est-à-dire qu'ils parlent avant tout de leur expérience et pas de théories qu'ils ont lues, mais de ce qu'ils ont appris, appliqué sur eux et sur d'autres. Donc là, suite à ce sommet, vous avez une masse d'informations. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est d'appliquer, de mettre en pratique toutes ces informations-là. Et c'est un piège très commun, et aujourd'hui, surtout avec Internet, avec tous les livres, les centaines de livres, et les milliers de livres même qui sortent chaque année, toutes les informations sont disponibles. Moi, je sais que maintenant, que quand je vais à une formation et un stage, je n'attends pas que ce stage m'apporte en priorité de l'information. Parce que l'information, en général, je l'ai déjà. Je sais à peu près tout ce qu'on peut savoir sur ces sujets-là. Je vais à un stage pour de l'expérience, pour de la mise en pratique. Et c'est là où est la vraie valeur. Mais l'information demande à être transmutée par l'expérience, par les mises en pratique. Ce sommet, il peut transformer votre vie, mais à une condition, c'est que vous passez du stade information au stade mise en pratique par l'expérience, par votre propre expérience. Et c'est un petit peu comme si l'information, c'était le stade de la tête, que vous avez pris toute cette nourriture, elle est restée dans votre bouche. Et maintenant, il va falloir la digérer pour que ça s'intègre à votre corps. Et ça passe par un processus de mise en pratique, par de l'action.
Je me retrouve dans ce que tu dis parce que, comme tout à l'heure, je parlais de mon expérience que pendant des années, j'ai accumulé quelque part de l'information à travers des livres, à travers des CD que j'écoutais, des différents moyens. Mais un jour, j'ai eu envie de... Mais je ne faisais rien, en fait, avec cette information que j'avais. C'était l'accumulation d'informations sur mon amurissement. J'étais en train de mûrir, justement, ce passage à l'action. Mais la vraie transformation chez moi est arrivée quand j'ai fait quelque chose de toute cette information que j'avais accumulée pendant des années. C'est là où le processus s'est vraiment mis en route. Le processus s'enclenche vraiment quand vous passez à l'action. Mais comme tu viens de le dire, Anna, il y a une phase de mûrissement où l'information s'accumule. Mais avec la société de consommation, il y a cette consommation d'informations et j'ai besoin d'en savoir plus pour passer à l'action. Et ça, c'est faux. Vous êtes prêt à passer à l'action, à la pratique, dès maintenant. Vous êtes prêt quand vous décidez que vous êtes prêt. Et il y a forcément un certain nombre de pas, de pratique que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Sinon, vous pouvez continuer pendant des années et des années à lire des milliers de livres, à accumuler des tas d'informations et votre vie ne va pas se transformer. Ces informations sont très utiles dès qu'elles sont mises en pratique et mises à l'épreuve de l'expérience. Et il n'y a que comme ça que vous saurez si vraiment ça marche ou pas. Et justement, dans ce sommet, vous avez déjà pu goûter à énormément des exercices proposés pour justement passer à l'action. Mais bon, on va parler tout à l'heure justement de que faire avec toute l'information que nous avons récoltée pendant le sommet, hein, et tous les exercices aussi proposés par les experts, de manière très généreuse d'ailleurs. Donc, Marc, aussi, tu as un petit peu déjà évoqué la cinquième clé, l'intégration. Pour moi, je le répète à chaque fois dans mes stages, aux participants de mes stages. Les stages commencent vraiment lundi, parce que c'est un week-end lundi que vous commencez à mettre en pratique, certes, mais intégrer tout ce que vous avez appris pendant le week-end. La même chose pour la transformation. C'est l'intégration de cette décision, de cette détermination, de cette permission que nous avons parlé et de ce passage à l'action qui va vraiment avoir un résultat chez vous. Parce que sinon, ça reste encore dans le subtil, en fait, tant qu'il n'y a pas une intégration. Oui, je dis souvent, l'action sans intégration n'est qu'agitation. Autrement dit, autant je connais des tas de personnes, et j'en ai fait partie, qui accumulent des informations, mais aussi des tas de personnes dans le développement personnel qui accumulent des stages, qui font des tonnes d'expériences et leur vie ne se transforme pas. Pourquoi ? Parce que l'action n'est pas suffisante. Elle a besoin d'être complètement intégrée. Et l'intégration, c'est ce qui fait que vous allez jusqu'à la prise de conscience que vous réalisez dans tout votre corps, dans toute votre cellule, et que vous atteignez le stade de la compréhension. Et pas de la compréhension intellectuelle, là on n'est plus dans l'information, mais dans la compréhension réelle. Cellulaire. la compréhension au niveau de l'être. Donc il y a le premier stade, compréhension intellectuelle et information, qui passe par l'expérience, et donc l'action et la mise en pratique, et qui aboutit à la véritable connaissance. Et c'est là où il y a cette évolution qui se réalise et où votre vie se transforme parce que vous vous êtes déjà transformé de l'intérieur. Vous êtes devenu plus conscient, plus vraiment vous-même. Marc, je voulais aussi te poser une question par rapport à l'évolution. Est-ce qu'il y a une fin à l'évolution ou c'est quoi ta vision en fait de l'évolution ? L'erreur, ça serait de croire, selon moi, mais qu'on puisse arriver quelque part. La vie, c'est un processus dynamique sans fin, donc l'évolution est sans fin. Là, j'ai parlé de l'information au départ, puis après de l'intégration par l'expérience, donc trois étapes, information, expérience, intégration.
Mais une fois que c'est intégré, vous passez au stade supérieur d'évolution. En fait, ça continue. Vous allez avoir des nouvelles informations, vous allez faire de nouvelles mises en pratique, vous allez intégrer encore plus à chaque fois ce que vous êtes. Parce qu'on peut aller à chaque fois plus loin. C'est un processus dynamique. La vie n'a pas de limite. Donc, je dirais, c'est vraiment découvrir ce chemin et voir que oui, ben, l'intégration, là, c'est à ce moment-là que vous goûtez les fruits. Mais après, ça recommence à un niveau plus grand. C'est des cycles, en fait. Ce sont des cycles. Donc oui, prenez de l'information. Oui, prenez en pratique. Oui, intégrez. Et puis ça se poursuit à nouveau dans une, mais c'est comme un mouvement d'une spirale évolutive qui serait de plus en plus large. Vous revenez toujours au départ, mais c'est comme un cercle qui s'agrandirait à chaque fois. J'adore cette image de la spirale d'évolution. Oui, d'ailleurs, elle est reprise dans un modèle qui s'appelle la spirale dynamique, où chaque niveau s'intègre avec le précédent. Enfin, je ne veux pas trop en parler ici, parce que ça demanderait plus de détails, mais ce modèle, en tout cas, de voir met la vie comme une spirale, mais dynamique d'évolution, et comme un processus, m'aide beaucoup à réaliser qu'il n'y a jamais de fin, que ça tourne et que ça revient jamais complètement au même, et en même temps que ça repasse par les mêmes étapes, qui sont effectivement information, expérience, intégration. C'est excitant tout ça, en fait. Oui. Le jeu de la vie. Oui, il y a juste à se laisser guider, pousser à l'intérieur, mais plutôt que de mettre les repères à l'extérieur. C'est une fois que vous êtes connecté à l'être, c'est profiter, mais surtout que vous savez que ça va pas s'arrêter. Nous arrivons aux 4 types d'outils vraiment efficaces pour se transformer. Le premier, c'est celui que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé en préférence dans mon cas, c'est le travail en groupe Les Stages. Pour moi, c'est un outil incontournable. Justement, je parlais tout à l'heure de mon expérience. C'est quand j'ai commencé à. C'est mon passage à l'action, je parlais tout à l'heure. C'était une façon des stages de transformation. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. Mais je me rappelle, mais jusqu'en 2003, j'ai accumulé des informations. Ma vie ne se transformait pas parce que j'avais la croyance que tout ce qui était de l'ordre du développement personnel et spirituel, ça devrait être gratuit. Donc je refusais d'investir dans des stages. Et voilà, il s'est trouvé qu'en mars 2003, j'ai accepté de payer un stage pour la première fois. Et c'est là où j'ai eu une ouverture de conscience, en fait. Donc, de faire des stages, c'est ce qui transforme. Et de penser que c'est par l'accumulation d'informations, comme on en a parlé, que ça se fait, ça reste une illusion. C'est vraiment une des meilleures opportunités pour pratiquer, en fait, c'est de profiter à la fois de l'énergie d'un groupe et en même temps de l'animateur de stage, mais qui est quelqu'un qui a déjà intégré cette connaissance. Et ça, ça donne un moteur de transformation. Avoir toute l'énergie d'un groupe, en général, c'est pendant 1, 2, 3, 5 jours, mais ça dépend des stages. Et donc de pouvoir être dans une spirale d'évolution. Mais ça donne une telle puissance que même si vous n'avez jamais fait de stage, ça peut provoquer une transformation, comme ça a été le cas pour moi dès mon premier stage. Mais j'ai eu plus de transformation en une journée que les 2 années précédentes. Bah, c'est mon cas aussi. Hein. Les moments, c'est un peu les plus forts moments de ma vie spirituelle, ont été pendant des stages. Hein. C'est clair pour moi. Donc, c'est un outil vraiment, vraiment efficace. Et je vous invite, si vous n'avez jamais fait un stage, de commencer. Vous verrez la différence de travailler tout seul à travailler comme un groupe. Comme Marc dit, c'est toute l'énergie. Parce que les gens qui sont dans les stages, normalement, sont là pour se transformer, pour évoluer. Donc, vous allez...
vous avez votre énergie, certes, l'énergie de la personne qui anime le groupe, mais vous comptez en fait avec toute la synergie de tous les intégrants de stage, chacun pour soi en fait. Oui, mais c'est vraiment quelque chose, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est sentir qu'à un moment tout est possible. Ce qui est difficile pour vous, à faire tout seul, mais d'un seul coup, mais dans une énergie de stage, une énergie transformatrice, mais ça devient quelque chose de simple. Même les pires difficultés, les pires problèmes, un stage, un seul stage, mais ça peut être le début d'une grande transformation déjà. Ouais. Et je profite pour dire que dans les packs, je vais vous parler tout à l'heure, des packs que nous allons proposer pour continuer cette sommet. Il y a plusieurs experts, Marc, je ne sais pas si tu es courant, d'ailleurs je pense que tu es un, qui ont proposé d'offres sur des stages qu'ils font. Donc on vous parlera de ça tout à l'heure. Oui. Mais c'est vrai que moi ça ne me semblerait pas mes responsables pour le sommet de la conscience de ne pas proposer une opportunité mais de ce type, mais comme le stage, alors et juste de proposer de l'information, mais qui est certes importante, mais qui n'est pas suffisante. Oui, donc de cette façon, nous arrivons à la deuxième clé, l'accompagnement individuel. Les stages, comme on vient de vous expliquer, c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a une énergie du groupe qui va vous porter. Vous allez être aidé pour la synergie de toutes les personnes présentes. Mais parfois, vous avez besoin de vous faire accompagner individuellement parce que là, vous êtes personne en face avec un thérapeute, avec un accompagnateur qui va vous accorder toute son énergie, toute son expérience et il va la traiter de manière plus chirurgicale que pendant un stage où, parce que j'ai l'expérience, on n'a pas forcément le temps de se consacrer à une seule personne. Oui, alors qu'avec un accompagnement individuel, c'est comme un rayon laser. Et ce sont deux moyens très complémentaires. C'est-à-dire que si vous faites déjà des stages, et en même temps qu'il y a certaines difficultés que vous voyez, que malgré les stages, ça n'avance pas, c'est qu'il est temps de passer à l'autre mode ou de compléter avec l'autre mode, c'est-à-dire l'accompagnement individuel. Et dans l'accompagnement individuel, avec le coach, avec le thérapeute, mais peu importe le titre, celui ou celle qui vous accompagne en conscience, au niveau de l'être, vous allez pouvoir voir le cœur qui a peut-être pas été vu suffisamment en sage. Pourquoi ? Parce que c'est une recette qui est un peu globale, un petit peu pour tout le monde. Et là, il va y avoir quelque chose qui va vraiment, si celle ou celui qui vous accompagne est excellent, il va pouvoir créer avec vous un processus individualisé pour vous accompagner en fonction de vos besoins et non pas en fonction de quelque chose qui est plus général. Et moi, j'ai déjà vu ça, c'est au départ, je ne faisais que des stages parce que le groupe, mais dans les stages, il y a un groupe, et ben je pouvais un peu me cacher dans le groupe. Dans la séance individuelle, vous ne pouvez pas vous cacher, donc vous allez aller jusqu'au fond, jusqu'au bout, et c'est là où quelque chose va pouvoir se réaliser vraiment en vous. Maintenant, il y a aussi le contraire. Il y a des personnes qui ne font que des séances individuelles. Et là, ça pourrait être d'un intérêt de voir ce que c'est que la puissance du groupe et qu'aucune séance individuelle ne pourra complètement remplacer des stages. Moi, il y a certains types d'expériences de réalisation que je n'ai vécues que dans les stages et d'autres avancées, d'autres prises de conscience qui n'étaient que dans les séances individuelles. Donc, combiner les deux, pour moi, c'est vraiment la recette du succès et je connais aucun là, mais d'experts, et pas seulement parmi là tous les experts du sommet, mais aucun expert en général, qui ait réalisé quoi que ce soit seul, sans utiliser les stages, sans utiliser les accompagnements individuels, sans avoir des mentors, sans avoir des coachs, sans avoir des thérapeutes. Ça n'existe tout simplement pas. On est un guide. Hein. Mais qu'on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, mais celui qui a tout réussi tout seul, sans rien, existe tout simplement pas en fait, hein. Et si vous y arrivez, ben vous seriez le premier contre-exemple. Ouais. Parce que même dans l'ancienne énergie où les gens méditaient dans une grotte pendant des années, normalement ces gens-là, quand on parle un petit peu avec eux, ils ont eu à un moment donné un guide, un gourou quelque part qui les aidait. Donc même cette personne-là ne l'ont pas fait tout seul.
Oui. C'est souvent cette vision des lignées en fait qui se met en place. Mais c'est vrai que c'est surtout, mais au début du chemin, et pour ceux qui n'ont pas encore fait appel à ces ressources-là, que c'est le plus utile. Mais c'est vrai qu'il va y avoir aussi une autre ressource dont on va parler juste après, qui est aussi de pouvoir pratiquer seul de son côté. Mais quelque part, ça c'est un stade, mais qui est indispensable, mais qui peut être plus difficile au début. Mais c'est un petit peu comme si vous vouliez apprendre une langue étrangère et qu'on vous donnait juste le manuel, et là vous allez répéter les exercices tout seul, sans avoir aucun soutien, mais sans quelqu'un qui peut corriger, votre accent, votre prononciation, votre grammaire. Ben, mais ça vous demanderait un effort considérable de pratiquer seul. Donc autant la pratique seule va être utile, autant au début c'est là où vous avez besoin du maximum de soutien. Et seulement une fois que vous savez que mais votre pratique est juste, mais qu'elle est bonne, et que vous pouvez vous auto-corriger, ça c'est quand même un critère qui est très important, là la pratique individuelle peut prendre le pas peu à peu. Et même ceux, je dirais, qui ont une pratique individuelle importante, ils ont intérêt à se faire superviser. Par exemple, dans le coaching, il existe des supervisions, même pour les coachs qui sont déjà avancés. Alors moi particulièrement, je fais au moins à l'année 4-5 gros stages. À chaque fois, j'ai des sauts quantiques, et souvent quand je rencontre des difficultés dans ma pratique individuelle, bah, je me fais accompagner individuellement. Hein. Et les personnes que j'ai vues qui ont cette recette, bah, l'avancement c'est inévitable. Hein. Oui, et là Anna, tu parles d'un critère important pour choisir celui qui va vous accompagner ou le bon stage. Est-ce que celle ou celui qui vous accompagne a su traverser lui-même ce chemin? Donc, mais par exemple, si votre difficulté c'est la timidité, mais est-ce que cette personne elle-même n'est plus timide? Est-ce qu'elle sait comment traverser ça? Donc vous amenez du point A, je me prends pour quelqu'un de timide. B, je réalise que je suis l'être qui n'est pas timide en fait, qui est naturellement jovial et communicant. Oui, donc pareil que dans les stages, dans l'ensemble des experts, il y a seulement des personnes qui, si vous ne savez pas qui peut vous accompagner, si vous posez la question, dans l'ensemble des experts, il y a des gens extrêmement compétents que vous pouvez contacter pour vous faire accompagner individuellement. Et même, il y a aussi dans les packs, que, comme je vous dis, on parlera de ça tout à l'heure, des propositions d'accompagnement individuel. Je pense, Marc, que toi, tu as offert gracieusement et avec une énorme abondance et quelques séances individuelles gratuites. Oui, pour que les gens puissent goûter à quel point même une seule séance déjà, ça peut vous aider à dénouer des difficultés, mais qui peuvent durer depuis des années, des mois. C'est le début d'un dénouement. Alors que seul, sans soutien, sans cet accompagnement, vous pouvez faire des tours en rond et en rond, mais parce que quelqu'un d'extérieur, il a un regard qui n'est pas le même en fait. Il est dans une métaposition, mais qui fait que ça va vraiment pouvoir vous aider. La métaposition, c'est la posture de l'observateur. Donc il va pouvoir avoir le recul nécessaire pour que vous voyez vous-même après à partir d'un regard plus élargi. Et en même temps, sachez, vous qui nous écoutez, que les temps où il fallait faire des thérapies pendant des années sont maintenant révolus. Hein. Les accompagnements individuels, ça peut prendre une à quelques sessions. Vous ne passerez pas 5 ans ou 10 ans en accompagnement individuel. Si c'est le cas, posez-vous la question sur avec qui vous êtes en train de vous faire accompagner. Hein. Moi, je suis même plus radical. Mais je dis aux personnes qui viennent me voir, mais je rencontre des personnes qui voient des gens depuis des années, mais j'en ai fait des parties. Et est-ce que leur vie se transforme, oui ou non? Si c'est non, changez, tout simplement. Ou alors, accepter que c'est une pratique mais qui vous réconforte, qui vous fait du bien, mais qui ne provoque pas de réelle transformation intérieure. Est-ce que vous voulez
une réelle transformation intérieure, alors allez voir celles et ceux qui ont déjà réalisé cette transformation intérieure ou au moins qui ont accompli un nombre d'étapes, puisque c'est sans fin, bien entendu, mais il n'y a pas un moment quelqu'un qui est arrivé, mais personne qui est arrivé, et en fait il n'y a pas vraiment personne, c'est juste l'être, c'est juste la vie. Mmh. Mais en tout cas, allez voir ceux qui sont dans ce courant évolutif, si vous vous sentez prêt, si vous prenez cette décision, et là vous allez sentir votre vie vous transformer. Et est-ce que vous allez faire un stage ou prendre un accompagnement juste pour du réconfort, pour se faire dorloter? Et oui, pourquoi pas, par plaisir, pour se faire du bien, pour se donner un peu de réconfort ou pour se transformer. Selon votre intention avec laquelle vous venez pour un accompagnement individuel ou pour en faire un stage, ça ne va pas être la même. Et moi, je sais que dans les personnes que j'accompagne, je privilégie bien entendu cette intention d'accompagner celles et ceux qui veulent faire une transformation réelle, c'est-à-dire vivre depuis l'être et non depuis la personne. Et j'ai envie de vous juste vous donner, avant de passer à la, encore une bonne nouvelle, mon sujet, c'est les blessures, comme vous le savez bien, sûrement vous avez suivi ma conférence, et je peux vous dire que même les grosses blessures qu'avant, avec les méthodes thérapeutiques qu'on avait, on n'arrivait pas à les libérer. Maintenant, c'est quelques sessions pour libérer des grosses souffrances. Donc, oubliez les anciens méthodes, les anciens schémas où il fallait passer des années et des années pour se sentir un petit peu mieux. Maintenant, ça peut aller très très vite. Et de cette façon, nous arrivons à la au troisième type d'outil efficace, c'est la pratique individuelle. On l'a déjà un petit peu évoqué dans la formation que nous venons de vous donner, la pratique individuelle ou en groupe. Le travail pendant les stages, c'est super important. L'accompagnement individuel, mais comme je dis à mes clients, ce qu'on fait pendant les stages ou pendant l'accompagnement individuel, c'est 50% du travail si vous voulez. L'autre 50%, c'est mettre en pratique les outils, les prises de conscience que vous avez fait pendant les stages ou l'accompagnement individuel, parce que on parlait tout à l'heure de l'intégration. L'intégration sans la pratique, c'est pas facile. Ça peut arriver, mais c'est la pratique qui va vous assurer un travail en profondeur et dans le temps aussi. Oui, c'est en alternant l'accompagnement individuel, les stages et la pratique individuelle, qui pour moi qui est indispensable. Hein. Je ne connais pas non plus donc d'experts, de celles et ceux qui ont réalisé cette transformation intérieure, qui n'ont fait que des stages ou que des accompagnements individuels. Ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris durant les stages et les prises de conscience qu'ils ont eues aussi dans les séances individuelles, ils l'appliquent au quotidien. Et c'est là où le travail quotidien il vous permet vraiment de vous mettre à l'épreuve de la vie, mais pas l'épreuve comme quelque chose de difficile, juste de vérifier que cette transformation est là et qu'elle s'intègre en vous. Et ça va, la pratique va, comme tu dis Marc, va au-delà des outils en fait. C'est intégrer dans notre vie cette prise de conscience que nous avons pendant les stages ou pendant l'accompagnement individuel. C'est parce qu'il arrive un moment, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont eu des éveils, de ce qu'on appelle la réalisation, l'éveil spirituel. Ils m'ont dit qu'il arrive un moment, pas tous, hein, mais certains, qui n'ont pas besoin de cette pratique individuelle comme ils le faisaient avant, parce qu'ils sont intégrés. Mais pendant un bon moment, pour arriver à cet stade, ils ont pratiqué au quotidien ce qu'ils parlaient, en fait. Oui, et en plus, c'est se dire que toute la vie, c'est un lieu de pratique. Donc, ce n'est pas juste dans le stage, juste dans les séances. Mais à partir du moment où vous allez goûter que tout est l'occasion d'exprimer l'être, l'amour que vous êtes, c'est ça aussi qui va tout changer. Et certes, au départ, je recommande surtout de se focaliser sur les stages et les accompagnements individuels. Mais très très vite, la pratique individuelle peut venir. Pourquoi ? Parce qu'elle peut au début être aussi simple, elle peut être rendue aussi simple que nécessaire. Et dès aujourd'hui,
il y a des petits pas que vous pouvez faire déjà tout seul pour vous mettre en chemin. Et au fur et à mesure des stages, de l'accompagnement individuel, ça va accélérer considérablement votre évolution. Et là, vous pourrez passer à des formes de pratiques individuelles, mais qui seront plus intenses, plus longues. Et à la fin, toute votre vie sera votre pratique. Oui, parce qu'il y a aussi une croyance de certaines personnes qui pensent que la pratique, c'est méditer pendant des heures et tout ça. Ça peut être une des pratiques, mais avant tout, c'est faire une vie en conscience. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'à votre travail, avec vos enfants, tout est l'occasion de pratiquer. Et c'est même là de vérifier, particulièrement avec votre famille, vos enfants, vos conjoints, vos parents, c'est là où vous voyez si cette transformation intérieure, cette connexion à l'être, a bien eu lieu ou pas. Si vos enfants, vos conjoints, vos parents, vos amis, vos proches vous font tout le temps aussi réagir, si votre patron vous fait autant réagir, eh ben, c'est que cette transformation intérieure, elle n'est pas encore arrivée à maturité, elle est en cours. Donc, continuez surtout. Ouais. De cette façon, nous arrivons à la quatrième clé. Ça, c'est une clé que Marc et moi, nous avons concoctée pour vous. Peut-être vous ne l'entendrez pas ailleurs. C'est la pratique des binômes. Cherchez quelqu'un, un ami, un compagnon, un frère, une soeur avec qui vous pouvez pratiquer souvent. C'est un peu notre Marc et moi, nous sommes une espèce de binôme, nous nous aidons mutuellement et nous avons vu à quel point, je te laisserai parler après, mais moi en tout cas je parle pour moi, comment le fait d'être dans une équipe quelque part d'évolution, mais ça ne se voit pas tous les jours, mais c'était en courant de temps en temps, et comment ça me fait le moment où j'ai des petits doutes, tu peux m'aider, tu peux me soutenir. Et c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un qui croit en vous et qui vous soutient. Oui, et ça repose sur le principe que l'autre, c'est un miroir. Et là, mais ça va être un miroir, mais qui va représenter la vérité de votre être. Donc choisissez quelqu'un qui vous entendez bien, quelqu'un qui est encourageant, et en même temps quelqu'un qui n'est pas complaisant. C'est aussi important. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous dire que si vous êtes dans les réactions, que là, c'est l'être qui s'exprime. Donc quelqu'un qui soit dans la vérité et en même temps qui vous encourage, qui vous soutient dans vos choix, dans votre réalisation, quoi que vous choisissiez. Et d'avoir quelqu'un où vous sentez que vous faites partie d'une équipe, ça change toute la dynamique véritablement. Marc, il parle avec expérience parce que parfois je le fais un peu bavé. Hein. Oui, c'est vraiment à la fois un doux positionnement, à la fois confrontant juste et en même temps encourageant, motivant. Et puis toujours cette posture d'observateur. Enfin, on pourra faire toute une conférence sur comment créer ces binômes, mais déjà, il suffit juste que vous saisissiez l'idée, que vous mettiez quelqu'un à qui vous sentez bien, qui partage vos valeurs, votre vision, et chacun, vous allez vous aider à cheminer ensemble, et juste en le faisant, mais ça va vous soutenir mutuellement. A soutient B, B soutient A, et donc finalement les énergies se multiplient. Et si vous êtes en couple et vous avez la chance de faire ça avec votre compagnon, votre copine, votre mari, votre épouse, je ne vous dis pas comment ça peut être puissant. Hein. Alors il y a quand même un petit truc pour que ça marche bien. Moi ce que j'ai observé, c'est pratique de faire ça avec quelqu'un qui a fait quand même les mêmes stages que vous, parce que souvent dans ces moments-là, il peut y avoir des moments de partage d'outils ou de pratiques à faire ensemble. Imaginons que vous ayez choisi que c'est la méditation qui vous correspond bien. Ben, de prendre un moment de méditation ensemble, ça peut être une forme de soutien possible. Et ça, c'est valable pour n'importe quel outil, n'importe quelle pratique. Et puis, il y a aussi tous ces moments qui ne sont pas des partages d'outils, mais des partages, tiens, mais comment je pourrais avancer sur mon projet? Donc chacun coach l'autre. Donc ce sont des moments de co-coaching, en fait, mais qui peuvent être aussi très soutenants. Oui. Donc nous arrivons, Marc, à la question, comment vous pouvez utiliser ce sommet? Le conseil que je vais vous donner, c'est de choisir un ou deux experts avec qui vous avez senti le plus de résonance. Vous avez vu
ou entendu leur conférence, si vous avez senti comme une espèce d'appel intérieur. Et vous sélectionnez, parce que la plupart des experts vous ont donné des outils hein, dans leur conférence, et vous choisissez un ou deux outils de ceux qu'ils ont proposés, vous les mettez en pratique et vous constatez le changement et la transformation. Alors, il y a quelque chose à dire par rapport à la pratique. Vous avez besoin, pour savoir si un outil vous convient ou pas, d'un minimum d'essai. Et les neurosciences parlent de 21 jours, parce que c'est apparemment le temps qu'un schéma neuronal prend pour se faire. Donc, je le dis aussi souvent à mes clients, essayez au moins 21 jours et vous regardez quelle prise de conscience vous avez eue en pratiquant cet outil. Ça, c'est, vous pouvez noter les questions. Quelle prise de conscience vous avez eue en pratiquant cet outil? Ça, c'est la première chose. La deuxième question, comment vous vous sentez après d'avoir pratiqué cet outil? Est-ce que vous vous sentez, par exemple, vous êtes plus dynamique, vous sentez une ouverture du cœur? Comment vous vous sentez en pratiquant cet outil? La troisième question, quel autre changement vous avez constaté en le pratiquant? Par exemple, moi je suis souvent en stress et du coup je me sens beaucoup plus détendue après que je pratique cet outil. Récapitulons ensemble avant de nous quitter. Nous avons partagé avec vous les 5 clés des changements et de la transformation. Nous avons vu les 4 outils vraiment efficaces pour se transformer. Et pour continuer dans la dynamique du sommet, nous avons créé le pack évolution. Un sommet de cette magnitude a supposé un grand investissement, des équipes de professionnels, des moyens techniques et bien évidemment de l'argent. Les packs sont aussi une manière de le rendre soutenable dans le temps. Nous vous avons présenté les 3 packs évolution qui sont à votre disposition. Et pour aller encore plus loin, les packs évolution essentiels qui reprend les conférences du sommet en audio, des réductions sur les séminaires des experts, des livres PDF complémentaires aux conférences, une interview de Philippe Weber ainsi qu'une soirée de mantras avec Andreas Mamet. Le pack évolution pratique qui ajoute au contenu du pack essentiel les vidéos de toutes les conférences ainsi que des vidéos des exercices simples et efficaces, des méditations guidées, des livres PDF pour aller encore plus loin. Enfin, le pack évolution coaching qui offre en plus de cela 2 heures de coaching et un bilan de vie avec moi, ainsi qu'un son supplémentaire avec Marc Fleurier dans le limite de 20 places. Ces accompagnements personnalisés ont pour objectif de vous faire franchir de nouveaux paliers dans votre transformation antérieure. En cliquant sur le bouton dessus, voici comment cela va se passer. Vous serez redirigé vers la page qui présente en détail le contenu des packs. Comme vous serez là, faites votre choix. Vous pouvez utiliser le bouton de réservation associé au pack que vous aurez choisi. Vous arriverez automatiquement sur la page de paiement PayPal. Vous avez le choix soit de payer via PayPal, soit de régler par carte bancaire. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien « Vous n'avez pas de compte PayPal ». Une fois les informations renseignées et validées, vous serez redirigé automatiquement vers notre page de remerciement. Les packs seront envoyés le 18 juin. Nous avons besoin d'un délai de préparation afin de rassembler l'ensemble des conférences avant de pouvoir vous les communiquer avec la totalité des éléments du pack. Dans le cas du pack Evolution Coaching, Marc et moi-même prendons directement contact avec vous après l'envoi des packs afin que nous puissions définir ensemble les séances du coaching. Que vous avez déjà pris votre décision ou bien que vous avez besoin
de savoir plus sur le contenu des packs pour vous décider, rendez-vous maintenant sur la page des packs. Félicitations pour votre participation à ce sommet et souvenez-vous des 5 clés de la transformation. Prenez la décision qui vous élèveront. Soyez déterminé pour vous y tenir. Donnez-vous la permission d'aller de l'avant et d'accéder à une vie exceptionnelle. Passez à l'action et agissez maintenant. Et bien évidemment, intégrez tout ce que vous avez pris. Ce fut le premier lancement de ce sommet. Nous avons fourni beaucoup de travail. Tout n'était pas bien évidemment parfait. Vous nous excuserez pour les fautes d'orthographe, mon accent, etc. Je tiens également à remercier avant tout nos auditeurs qui furent très nombreux, très enthousiastes et qui nous ont transmis de merveilleux commentaires. Un grand merci également à toute l'équipe technique et à mes assistants, je vais vous le présenter, aux experts, et à Julio, mon associé, et à tellement de personnes qui ont participé à ce sommet. Je voudrais présenter mes assistants, il y a Alicia qui m'aide avec les vidéos, il y a le caméraman Matteo qui m'ont accompagné pendant tellement de vidéos que j'ai fait pour ce sommet. À très bientôt. Au revoir.